Valence a le couteau sous la gorge, Jean-Luc, dans ce huitième de finale face à Chalon-sur-Saône, puisque Valence est menée 2-0 après les deux doublettes. Bravo, c'est ça, c'est exactement ça, puisque la deuxième équipe de Valence, Sarmili, donc ils ont perdu. C'est un score serré aussi, mais ils ont perdu, donc ça oblige maintenant. Ça les oblige à gagner la triplette sous peine d'élimination. Et gagner la triplette, ce sera pas tout quand même, parce qu'après, il faudra gagner le tir pour se qualifier. Donc, ils ont du pain sur la planche, hein, nos amis valentinois. Ça va être compliqué. Eh bien, nous aussi, on a du pain sur la planche, puisqu'on va vous faire vivre tout de suite cette fameuse triplette. Allez, nous y voici dans cette triplette avec Valence, boule noire. Allez, continue mon petit. Allez, ça redémarre. Et polo blanc. Allez, mon petit. Face à Chalon-sur-Saône, dont je rappelle, hein, Médéric Verzo a dit on est peut-être moins connu que d'autres, mais on est dangereux. Et bien, ça s'est vérifié à l'issue des deux doublettes, puisque Chalon-sur-Saône mène 2-0. Cette triplette ne doit donc pas échapper à Valence, si Valence Bravo. Veut. Pouvoir espérer continuer sa route dans ce Trophée des Villes 2016 à Valence d'Agen. Et on l'entame à 8,20 m. Alors du côté de Valence, on a fait confiance à Bruno Le Boursico, Florence Sarnelli et Pierrick Caillot. Et du côté de Chalon-sur-Saône, Anthony Rouillet, Cyril Gagne et Médéric Verzo. Vous me prenez Florian Sarnelli, ouais, c'est ça, vous m'avez repris sur gentiment, hors antenne, pour pas mettre un gros tacle, c'est gentil. Jean-Luc. Et oui, parce que Florian c'est joli, mais du coup, comme c'est Florian... C'est mieux. C'est mieux d'appeler les gens par leur nom. Et oui, ils ont du pain sur la planche, nos amis drômois. Bien. Il faut qu'ils gagnent celle-ci pour aller au tir. Alors, c'est vrai que... C'est vrai que du coup, on connaît un tout petit peu moins l'équipe de Chalon. Hein. On a déjà eu l'occasion d'en parler, mais je me disais que si des fois la Brome va au tir, je pense qu'ils ont un petit avantage quand même. Ah oui, parce que Bruno Le Boursico, tireur hors pair, joue à la pointe dans cette équipe de Chalon. Ouais, et puis Florian Sarnelli. Qui faisait le pointeur en doublette tire bien aussi. Et le quatrième homme, Jérémy Hubert, lui, il tire bien aussi puisqu'il faisait le tireur en doublette. Mmh. Off, encore un contre. Ah ouais, mais là, ça va devenir compliqué. On n'aurait pas dû jouer ensemble. C'est nous les boursicots. Ça va se compliquer. Membre de l'équipe de France, à propos, des grands noms de la pétanque, il y a une autre grosse cylindrée qui n'est plus dans le tableau. C'est vrai que là, pendant la petite coupure, on a appris, alors sans faire offense à nos amis toulousains qu'on va citer, c'est que l'équipe d'Henri Lacroix, Stéphane Robidot, Dylan Rocher et Jesse Lacroix, est tout simplement éliminée de ce... Nouveau coup de tonnerre. 2016, oui, donc c'est vrai qu'après l'élimination de l'équipe de Philippe Quintet, Philippe Chuchot, tu peux faire comme tu veux. Et je retrouverai le nom du petit parce que je l'ai encore oublié, donc on ne manquera pas de le citer parce qu'il mérite. Et bien, ce sont les Toulousains de Joël Marchandise, Rocky Raquebert, l'expérimenté Philippe Rouquier et Luc Laye qui ont réussi cet exploit. Alors, et puis pareil avec un Joël Marchandise de gala. Allez, c'est pas grave, hein. D'après les échos que j'ai entendus. Bien maintenant. Alors que vous découvrez Cyril Gagne. Un coup de tonnerre quand même. Allez, Cyril. Oui, non, mais c'est bien de le souligner parce que ça fait quelques grands noms là, qui sont sortis du tableau principal. Bravo. C'est dire la densité de ce Trophée des Villes, la densité du haut niveau. On avait vraiment un beau plateau. Et ça se confirme. Ce qui est intéressant, c'est oui, certes, on regrette que les grands noms de la pétanque soient éliminés, on regrette pour eux, mais en même temps, ça nous permet de découvrir de nouveaux talents, des garçons qu'on connaît peut-être un petit peu moins, mais qui démontrent qu'ils ont le niveau pour rivaliser avec les meilleurs. Oui, que leur place à ce Trophée des Villes et surtout n'est pas usurpée. Oui. Bien fait.
Alors Florian Sarnelli qui remet un petit coup de pression sur Chalon. Ouais, ils avaient une boule d'avance, mais elle a été. Il a manqué sa première boule. Cyril gagne. Il a un nom prédestiné hein, pour la pétanque. Oui. Donc maintenant ils sont boule à boule. Ah Bruno. Toujours aussi efficace, mais Médéric Verzeau. Tu fais gagne, tu fais jouer à la dernière. Hein. Ah, partout tu as gagné, ils sont contre. Ah Bruno. Allez. Bien, bravo, mon homme. Bien Bruno, oui, super. Bien joué. Je ne comprends pas, lui. Hein? C'est que nous qui comprenons. Ouais, mais... Ah, ça va, elle n'est pas belle. Hein. Elle n'est pas appétissante, on va dire. Allez. Ah, ça y est, enfin. Pour faire court. Enfin, vous vous lancez dans vos expressions que j'adore et que le téléspectateur savoure également. Non, mais c'est vrai qu'il a une belle main, mais elle n'est pas très très belle à tirer parce que quand on monte sur le bouchon, la main est nulle. Bravo. Bien tiré. Bravo, bravo. Et ouais, mais bravo. C'est Médéric Verzeau sur son nuage depuis le début de ce trophée des villes qui fait mouche et qui offre 2 points à son équipe de Chalon-sur-Saône qui prend donc les commandes de cette triplette. On attaque la deuxième main avec cet avantage de 2 points pour Chalon. Et on veut jouer long. Non ah. On vérifie. On va vérifier, il y a un petit doute. Je pense pas. Ça se joue à quelques centimètres. Le dégât. Non. Mètre. Des camètres. Ça s'adresse à Marc Alexandre, elle n'a rien à voir. Bon, c'est au-delà des 6 mètres. Mais est-ce que c'est au-delà des 10 La réponse dans quelques instants, grâce à Patrick Koufignal, l'arbitre national de 8e de finale. 10 mètres. Il est bon alors. Il est bon. Combien 10 mètres. Ah bah voilà. 10 mètres. Une poêle. Là au moins. Bon bah c'est fait. Allez, encore. Comme dit Médéric Verzeau, ça c'est fait. Je pensais pas. Je le voyais pas bon. Allez, encore petit. Mon cap qui avait ça. Bravo Tony, bien joué. Hein. Bien Tony. Super. Alors, ah, ben voilà. Vous apercevez Christian Mercier. Christian Mercier, c'est ça, président des Amis de la Pétanque à Autun. C'est le club d'origine du grand Zone Coranic. Ils aiment les organisations hein, à Autun. Dans ce magnifique théâtre antique, ils ont organisé les masters en 2013, 2014, 2015. Ils ont fait un petit break en 2016. C'était pour mieux préparer l'édition 2017 du Trophée des Villes, puisque ça se déroulera. Ah, elle est là. À Autun, chez belle, monsieur Christian. Ouais, ça merci. Ça ouais, elle est belle, ta boule. Ah, et Pierrick, ça va pousser, vieux. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Ah, vieux. Il est venu prendre un peu des informations sur le déroulement. Bien évidemment, il y a un tout petit peu plus d'équipes qui participent que pour les Masters. Oui, c'est une sacrée logistique. Hein. Ah oui, là, c'est... 32 équipes. Voilà, mon père, viens. Bien tiré. Alors dans cette partie, j'aurais tendance à penser que 400 km. La clé de cette partie, elle est dans les mains de Cyril Gagne. Cyril Gagne, ça fait jouer. Parce que je pense que des 6 joueurs qui sont là, c'est lui qui est quand même le moins habitué au micro et aux caméras. Bravo, papy. Oh là là. Anthony Roulis, lui, il s'est ouais, bien ouais. Fait. Hein. Mais bon, quand on tire, c'est un tout petit peu différent quand même. Hein. Ben oui, parce que tout à l'heure, là, Pierrick Caillot, sur sa première boule, il a fait bouche, mais il a dit, oh là là, c'est à 400 km. Mmh.
Ah non, mais là, c'est loin. Il faut y aller là-bas. Oh, c'est bien tiré, mais oh. Il prend le bouchon avec. Ouais, ça, c'était c'est un petit peu normal. Oh, oui, c'est jeune mort, là. Mais tu vois, c'est bien. Je me dis encore que j'ai de la chance dans la partie. Non. je crois que je lui dis de tout. Ça y est. Alors, le Boursico est lancé. Difficile de savoir de qui il parle parce que Fernand, apparemment, il n'y en a pas dans l'équipe des Rouges. Alors, Médéric Verzo, avec ses lancers au large, voilà, qui fait travailler Patrick Coufignal. Il n'y a pas de souci. Allez, il était encore à 10 mètres pile. Il est bon. 9,98. Ouf. 9,98. Bah dites donc, à 2 cm près. Je suis pas mal gage pourtant. S'il y a un trophée pour le jeteur de bouchon le plus précis, il va être pour Médéric Verzo. 10 mètres pile et 9,98. Je te rassure, je veux pas l'envoyer. Je veux pas l'envoyer pour qu'il aille à 10 mètres. 10 mètres. Non, mais pas à 6 mètres non plus, manifestement. Côté de Chalon, on préfère garder ses distances avec. Bravo Tony. Ça rejoint l'information que vous donniez tout à l'heure, c'est qu'en face il y a des gros tireurs. Ah ouais, là, de toute façon, vu qu'ils ont Anthony Roulier là, qui est réglé comme une horloge. Oui. Non, mais si on bouge un peu de deux fois, ça me gêne pas, moi. Ils auraient tort de s'en priver. On met deux à peu près à prendre le tir. Hein. Je vais faire contre encore. Allez. De toute façon, ils sont super durs à gagner, mais bon, c'est d'approcher. Ah, Flo. Florian Sarnelli qui va essayer d'approcher. Ah, avance en une encore. Florian Sarnelli qui était, on a déjà vu, à Montauban cette année. Et c'était en demi-finale du championnat de France. Exact. Hop. Ça jamais. On a perdu. C'est vrai que maintenant, pour avoir un contre, il n'y a pas mieux. Ah, c'est pas grave, il reste pas mouillé le mec quand même. Allez. C'est la poussée. Allez, vieux. C'est la poussée. Bon homme, vite tiré ça, bravo. Ah ouais, t'as pas montré. T'as pas bien passé bien moi encore. Hein. Je reprends et je tape dans la boule. Hein. Hein, je passe encore à 3 mm dans la boule. Ouais, attends, quand tu fais des palaces de distance, c'est bon. Pas faux. Florian Sarnelli, quand tu fais des palaces à cette distance, ah oui, parce que c'est déjà bien. Ça joue à fond de crâne là. Ouais, c'est... Non, s'il ne gagne pas, je peux tirer derrière. Hein. Hop là, elle est restée un peu sur, oui. Sur le côté. Alors, Cyril gagne, Médéric Verzo. Elle a tenu quand même. Hein. Elle a peut-être... Si vous voulez, je peux repointer. Oui. Ah, c'est vrai qu'elle a à peine un jeu. 4 boules à 4, on a encore le temps de tirer. Hein, je peux repointer encore la mienne. Hein, je peux repointer encore la mienne. Je sais pas. J'irai pas ce que t'aimes. Tu veux y aller? Bah, faut bien jouer pour gagner. Faut bien jouer. Hein. Eh ben, allez, vas-y. Allez. Ah, je suis pas dans la. Pas de problème. Ah ben, Cyril gagne. Allez, Cyril. Allez, pousse. Du tempérament. Ouais. Si tu veux tirer. Du tempérament, parce que c'est à la distance qu'il y a. Bah, un peu trop haut. C'est lui qui veut y aller. Voilà, c'est fait, de l'audace. Bien tiré. Je veux dire, c'est pas déjoué. Mais c'est plutôt bon signe, ceci dit, quand c'est le tireur qui a envie d'y aller. Bon, c'est mieux que si ses deux partenaires le portent dans l'Europe pour qu'il tire. Mais pas vilain quand même, celui-là. Enfin, pour moi, je peux me tromper. Enfin, j'entends bien, il n'y a pas vilain, c'est sûr. Après, faut le gagner, le sien derrière. C'est ça. C'est surtout. Je dis pas que le mien est beau, mais le sien était dur à gagner, en fait. C'est ça le truc. Non. Parce que
Là, si elle remonte pas ta boue, tu la gagnes. Mais c'est vrai que Médéric Verzo, j'étais pas loin d'être de son avis quand même, parce que là où était placée celle de Florian Tarnelli, il y avait moyen de le gagner devant. Ça aurait fait plus de travail peut-être que de frapper, parce que ce point, il peut se perdre, mais il risque de se gagner souvent, et c'est loin. Et maintenant, de frapper à celle qui était derrière. Allez Cyril, encore. C'est bien, mais maintenant, celle-là est plus près. Et s'il manque celle-là, le point sera plus dur à gagner. Oh, ouais, mais il manque pas, hein, Cyril gagne. Bravo, bien tiré. Bien tiré, ça. Ah oui, c'est bien frappé. Ah Bruno. Ouais, parce que là ça joue à des distances. Maximale. Bien, bonhomme. Que c'est bien joué cette reprise de Bruno Le Boursico. La force tranquille. Allez, je tue. Quel pointeur, ce Bruno Le Boursico. On le dira jamais assez. Hein. Ah, c'est normal. Mal tiré. Ouais. Pas monté. J'ai pas monté. Ah, elle est morte, ouais. Ah, mince. Pas monté du tout. Tant pis, je vais essayer de me coller. Hein. Ah, essaye. Bah, allez, il était bien droit, mais il est un petit peu court. Un peu court. Mais c'est vrai que après l'option du tir, ça fait tirer. Si l'on fait beau à chaque fois, ça fait tirer plein. Quoi. Non ? Ouais, mais. Les dernières boules pour Chalon, il en reste deux à Valence, c'est ça, Henrik ? Ah, celui-là, oui, je te dis pas. Exactement. Celui qui était gagnable, c'est la première que j'ai tirée. Ah, ils sont en train de revenir un peu sur. Avance. Ouais. Ce qu'on disait, peut-être que de tirer finalement, peut-être que de tirer sur la première qui était derrière, c'était pas une idée lumineuse. Elle est retombée complet. Mais pour le spectacle, ce serait quand même bien que Valence gagne. Comme ça, au moins, on verrait le tir. Ah, Bruno. Ah, on aura une belle séance. Ouais. C'est toujours spectaculaire, ces séances de tir de précision. Ah, oui, puis, les rentrées. Bien, Bruno, super. Je me mets la main, elle est payée, 3 points. Oui. Ah, bien. Oui, ça y est, pas justement. Bien payé, même. Oui, voilà. Non, si tu es un peu lent, t'as les boules pour t'arrêter. Hein. Ouais, bah oui. Tu risques rien. Jérôme Caillot qui a la boule pour donner l'avantage à son équipe. Elle est pas mal partie. Mon homme. Et elle est bien arrivée. Eh bien voilà, 3-2. Pour Valence, à l'issue de cette troisième mène. Il y en a les froides là. Il y en a les mal tirées. Je crois que pour la table. Tu vas pas nous faire les carreaux, Amérique. Ah non, non. Parce que je lui dis, je vais vraiment faire les carreaux. Hein, tu nous empêches de jouer avec les carreaux. On fait rien, nous, après. On pointe et on se fait tuer. Voilà. J'envoie Bruno. Oui, non, hein, mais voilà. Bruno, je l'envoie où le but ? Hein ? Ne me dis pas par cœur. Ouais, je savais que tu allais dire une connerie comme ça. Non, mais j'envoie où ? L'OM prix ? Voilà, voilà, c'est pareil. Ah, c'est vrai que quand tu poses ce genre de questions à Bruno, ouais, il faut s'attendre à. Ah, Flo, monte dessus encore là. Allez, Flo. À... Ah, fais tirer, vieux. À la noix, pour être poli. C'est bien d'en faire 3 au moment. Ouais. Florian. 2 c'était bien, 3 c'était carrément pas. Sardelli. À 8m40. Ouh, c'est bien ça. Bien, eux.
Bravo. Il a frappé. Bravo. Allez, Flo, encore. Ah, Flo, continue. Bien joué deux fois. Ouais. Ah, ça va aller. Magnifique. Plein dans l'axe. Un peu devant. Hop, ça va. Un petit peu court, mais comme il tire un petit peu plus fort que. Ouais. Il tire fort. Il tire fort. Ouais. Que Médéric, ben, elle a bien fusé. Ouais, son bitcher, il se tire derrière, il y a non. Habitueux, vous avez 20 devant, habitueux. Il marque un match quand même. Hein? Il me dit tire fort et il fuse, c'est sûr, mais si tu vas tirer là, tu vas manquer. Ah oui, c'est vrai, habitueux. Bien. Bien, Bruno. Et c'est repris. Mais bon, il faut que je la ramasse. Comme d'habitude. Ouais. C'est vrai, dans mon dernier, on va pas la ramasser. Ah, mais bon. M'aider. Bravo, et bravo. Que c'est ce que c'est bien tiré. Merci, ouais, bonne passe. Très bien. Jolie courbe. Ça, c'est vraiment très. Ah, très, Bruno, très c'est déjà dans le test. Celui-là, maintenant, il est quand même plus difficile à gagner. Ah, ça va gagner un coup encore. En plus, sur la boule qu'il a ramassée, il n'a fait pas l'air. Bravo, tu vas gagner. Bien joué. Difficile à gagner, mais pas pour Bruno le Corsico. En plein en face. Hein, je ne peux pas le mettre de l'autre côté, celle-là. Allez, mêlée. Alors, évidemment, il aurait préféré la mettre de l'autre côté, du côté droit, en contre, mais déjà de le gagner, celui-là, c'est important. Ça fait jouer tout de suite. Bravo. Le petit contre. Bien, Chi, bien. Bien. Donc maintenant, il est plus facile à gagner pour Pierrick Caillou. Mais tirer la boule. Mais Anthony Rouillet, il défend 3 points quand même. Hein. Ben bah oui. Le boule pour 2. Allez. Ah, Piqui, il est seul à gagner. Bien, bravo. Heureusement que tu as progressé d'après. Tant tu les perdais avant cela. Hein? Tant tu les perdais avant cela. Ah oui, je l'avais perdu. C'est bien. Progresser. Allez, Tony. Allez, Tony, tranquille. Allez, ça, plaisir, ça balance du côté de Valence. Allez, il y a du tempérament et de l'ambiance. Bravo, oh, bah, bravo. Tiré. Super. Et il peut y avoir grosse semaine pour Chalon là. Hein. En tapant 3, en faisant un petit palais 4. Allez, Pierrick, encore. Allez, ça va gagner encore. Allez, Pierrick. Bah, celle-là, il ouais, faut pas qu'elle pèse trop lourd. Hein. Oui, importante, dans les mains d'Anthony Rouillet. Oh. Aïe. Est-ce qu'il l'a perdu? Je pense qu'elle a gagné quand même. Ah. On l'a celle-là, non? Hein? Moi qui ai envoyé plus loin? T'as pas envoyé dans le. Gagné? Ouais, elle a gagné. Allez, semblait entendre Médéric Verzeau, ça change rien. En face d'une boule. On va taper. Ouais, mais c'est quand même. Allez, mais je sais pas.
C'est quand même pour le joueur qui a la boule, c'est peut-être mieux de savoir déjà. Et puis c'est surtout que quand on tire avec le point par terre, c'est sûrement bravo, plus facile. Bel effort. Bravo. Hein. Belle main de 6 frappes. 6 frappes, exactement. Et 3 points de plus dans la musette en faveur des Chalonnais. Qui repassent devant. On attaque la 5e main. Et Chalon mène 5-3. Allez, continue. Je crois qu'il a envoyé un petit peu près. Il a fait des balles de mou. Je pense qu'il devait vouloir l'envoyer plus loin. Ah, pourtant, ça leur a pas mal réussi sur la main précédente à 8 mètres et quelques. Oui, mais là, maintenant, c'est eux qui jouent les premiers. Ouais. Bravo. Super, gros. Oh. Bravo. Ah oui, on est à 7 mètres 70, ouais, effectivement. Ça devrait coller. Il m'impressionnait cet Anthony Rouillé là. Oh. Bon homme, bien tiré ça, bravo. Il quitte pas le bouchon. Bien. Ou alors très très peu. Ouais. Et en plus, quand il en a tiré. Il fait pas semblant. Non. Tu en as tiré et tu en as vraiment bien. Après, attention que la Saône-et-Loire, c'est un département relevé hein, quand même. Hein. Très très bon joueur, donc quand on gagne dans la Saône-et-Loire et qu'on après on est 8e du championnat de France et qu'on perd 13 à 12, c'est que on joue des boules. Hein. C'est pas je pense pas que ce soit le hasard. Il hein. N'y a pas de hasard. Il y a des coups du sort parfois. Oui, des fois il y a des contres, des fois. Petit clin d'œil à Bruno Le Porseco. C'est ça, des fois il y a des contres. Mais là, regardez, c'est la même qui va peut-être se produire. Oui. Parce que là, c'est les rouges qui pointent et c'est les blancs qui tirent. Mais bon, des mains de 6 quand même, hein, des mains de 6, enfin de 6, pas de 6 points, mais de 6 frappes. Hein. Ça court pas les rues quand même. Hein. Enfin, Pierrick Caillot, lui, toujours est-il qu'il a fait son boulot. Ah, ça gagne. Ça gagne. Ah Bruno tombe dessus. Il va gagner un peu en face, c'est pour ça. Ouais, elle est bien là. Putain. Wow, ah, bon il n'y avait plus que 3. Hein. Ouais. Non, Bruno. Infusez celle-là. Ouais, bah, comme il est tombé lui là-bas, ouais. Il est encore plus loin lui. Ah, je suis quoi, 15h? Comme ça. Oh. Le bouchon qui va bien. Ouais. Ouais. Je sais même pas si je veux tirer. Ça, faut y tirer quand même, hein. Ouais, je suis pas sûr. Hein c'est vrai qu'on va se mettre sur des mains comme ça, c'est. C'est une bonne idée. Hein. Quand même. Alors après, attention, hein, c'est très très bien joué, évidemment, mais. Il y a un petit poil de réussite peut-être, parce que s'il reste juste à côté, il n'y a rien qui empêche Bruno Le Porseco d'y frapper ou de faire le carreau. Alors que là. La vie à Jean-Luc Robert, c'est le technicien. Si je manque tout, au pire, tu peux quand même tirer. Il est fou, ce truc. Tu peux envoyer dedans. Sympa, tu veux pas piquer. Tire en pointe. Tirer, s'il bouge là, quand même, il va aller vers là, c'est logique. Et vous achetez un petit coup d'œil pour voir. Vas-y, moi, par hasard, il n'y avait pas une petite dedans, aspiration. Si manques, j'ai tiré ils ne m'entendent pas, mais moi je tirerai quand même. Hein. Parce que s'il met une patate, ça sort, tant pis, on refait la main. S'il bouge un tout petit peu, il y a la noire qui est à eux. Après, c'est vrai que s'il va au fond, il peut aller dans les blanches, mais après, pour pas une grosse semaine, ça va être très loin.
Ça c'est joué à la perfection. Le problème, il reste entier. Faire enculer quand même. Il faut voir notre dame de la garde. Bambou, ils ont deux. C'est des cierges. Bambouchon est là, lui. Sans déconner. C'est pas ça, tu peux la jouer, elle a bien joué ta boule, tu peux passer à côté. Ah, il a joué à la perfection. Oui, oui. Là, pour la décaler, il peut pas mieux jouer. C'est vrai qu'il a trop bien joué pareil, et il a pris trop plein de la boule. C'est le bonheur d'en faire debout. Il aurait fallu qu'il la prenne un petit peu sur le côté. Encore, hein. Après, si tu fais pareil, aussi. Si tu renvoies, tu peux le gagner plus en envoyant comme tu l'as envoyé. Il a trop bien joué, ça. Ben, c'est pareil, je pense. Imagine, t'as le bonheur, celle-là, tu peux la faire monter là, même celle-là, elle vient ici. Oui, mais après, je veux dire, tu peux manquer celle-là, tu peux prendre le but aussi. Bien sûr. Ah, joue-la bien encore, Flo. Toujours, il nous arrive des miracles quand on est bien. Toujours, il nous arrive des miracles. Ouais. Une fois qu'on a une belle main. C'est mal joué, il est trop près. Et ben là, c'est vrai que ça va être un petit peu moins bien joué. C'est trop près de la boule. Mais... Pas tirer au cul maintenant. On va la soir. Ouais, donc deux boules en même. Hein? Je sais pas, mais... C'est sympa, ça va. Moulé. Je sais pas, je tire bien dans le cul si c'est la, tu fais passer la gauche sur celle-là. Si tu veux avoir une chance de marquer, il faut tirer. Ça reste pas trop bien. Si t'as celui-là, si ça ne reste pas trop bien, tu tires bien, il peut faire un petit palais, un petit carreau. La noire peut rester. En pointant, et pour marquer, c'est compliqué parce que déjà, il faut le gagner. Et après, il faut compter sur le fait que Cyril gagne manque double. Donc ça, c'est... Aussi, oui. Peu probable. Bravo, voilà. La classe. Je tu pointes, tu viens lui gonfler le bouchon, t'en mets encore 5. Mais c'est ça, c'est, en pointant, ce que j'avais peur, c'est ça. Si tu pointes, autant je touche, je suis dans le bouchon, il tire le bouchon de montant. Si le point est bon, tu viens le perdre, tu fais pas jouer, c'est sûr de ne pas marquer. Voilà. Après, ça se passe comme ça, même si ça se passe bien au cul. Même si ça se passe mal, au pire, ça se prend. En pointant pour marquer, c'est quasiment impossible. Imagine que tu tires bien le bouchon J, que tu emballes tout, on est 4 fois derrière, tu fais rien. Alors là, on va entendre fumer si ça se passe comme ça. Allez, Cyril. Ah ben alors là... J'aurais presque envie que ça se passe comme ça. Sans prendre parti pour l'une ou l'autre équipe. Hein. Ah non, pas ça. Bravo, bien tiré. Bien. C'est super. Tu t'es fait 40 de place. Voilà, maintenant essaye de bien la jouer, essaye de rentrer. Hein. Allez, mon petit Cyril, ça rentre tout seul. Bien tiré. Hein. Allez, fais un petit effort, essaye de rentrer. Allez, Cyril, fais l'effort. 4 points pour Valence par terre, mais la dernière boule est chaleureuse. Oh là 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 là. Ça va, il y en a deux. Aïe aïe aïe, à deux c'est cher quand même. Oh, il avait fait le plus dur avec son... Oui, je t'avais dit, c'est traître. Ah, il faut pas la forcer, il faut pas la forcer du tout, tu l'as forcé. Il y en a un ou deux? Il y en a deux. Ah ben, deux. Et quel mène, hein. Oh, il y a eu des coups fantastiques. De part et d'autre. Tu sais, c'est forcé, je vais rentrer avec la... J'en ai pas pointé une dedans. Non, mais c'est pas. C'est la première que je pointe là-dedans. Oui, mais c'est pour ça qu'on t'a dit que c'était piégeux. C'est que tu sais que ça a laissé, de bien laisser venir parce que ça roulait. Tu l'as légèrement forcé, c'est tout. Je l'ai à peine assez monté. Oui. Oula, on sera pas à 1 mètre de la ligne de perte. Ça va. C'est vrai que c'était la première qui pointait. C'est 1 mètre, hein, c'est ça. Je l'ai à peine assez monté. 1 mètre. Je te laisse surprendre. Non, mais c'est 1 mètre. Ouais, mais elle était pas où, là, dire. Ah, Flo. Ah, viens dans le but encore. Allez, fais tirer. 5 partout pour la 6e même. On va les jouer. Hein. Ouais, parce qu'elle a poussé. Si, si, ici, hein, ça lui passe de tout. Hein. Ouais, elle l'a forcé à la main. Ouais. J'ai vu qu'on l'a vu. Voilà, c'est six champions qui régalent le public. Bravo Flo. Bien, super. Et qui vous régale aussi certainement. Devant la chaîne d'équipe. Vous voyez Jean-Luc. Ouais. Évacuer la frustration de la boule d'avant. On a dit qu'elle avait gagné l'auto. Pas droit. C'est pas grave, t'es juste pas droit.
Allez, tire-y bien. Juste à droite. T'emballer, c'est pareil. Allez, mets-nous de la place. Allez, Cyril. Il était bien un peu court, ouais, celle-là. Mais bon, elle est frappée. Eh ben, allez, Tony. Allez, c'est dans le bouchon. Pas poussé. Ça permettra. Ah, tu nous as fait de la place déjà. De jouer. Pas poussé sur les jambes, je suis court, ça va. Faut mettre un trou. Oh. Par Anthony Rouillet. Ah, je suis court. Et du coup, c'est le tireur de Valence. Ah, je fais de la place, mais Caillot qui a mis la contribution. T'es en retard de deux boules, quoi. C'est vrai que là, la main, elle se présente bien pour les blancs. Oui. Oh, oh. Bah, voilà autre chose. Casquette, et il a flingué la sienne. Ils ont plus de boules. J'ai niqué la main encore, faudrait me faire culer aujourd'hui. C'est pas grave, je la repasse, c'est pas grave. Donc on est boule à boule, on a la boule d'avance, qu'est-ce qu'on fait ? Trois boules, ils ont. Ouais, trois boules. Ils ont trois boules, je vais retirer la mienne. Tirer la sienne. Il me semble, celui-là, il est bon. Il est beau, celui-là. Celui-là, il est bon. Si tu la pousses, c'est bien, allez. C'est pas grave, allez. Pas doucement, tu tapes, non, c'est pas grave. Allez, t'as tiré, c'est pas grave. Allez, vieux. Là, surtout qu'il a poussé. Il avait pas mal tiré, hein. Il est juste un tout petit peu haut. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas très chanceux d'aller gaufrer la scène derrière. Mais... Au moins qu'on puisse dire. Allez, est-ce qu'il a évacué et... Ouais, c'est bien tiré. Mais bon. Il ne s'est pas laissé perturber par ce nouveau coup du sort. Imagine le truc. Vas-y, parce que t'en défends deux à la sortie. Un petit peu. Bravo. Oh, c'est bien joué encore Anthony Rouillet, une espèce de machine à pointer. Il est réglé comme une horloge. Hein. Il est joué super. Il est mis un point encore. C'est un peu court. Ouais, mais ça est-ce, va qu'il a, est-ce qu'il y en a assez ou pas? Il y a assez, bien. Chez nous, il y a assez. Ouais, tout le monde regarde, tout le monde mesure. L'arbitre, s'il vous plaît. Hein ? Là, ça vient à nous en mesurer, alors ça. C'est le dernier qui a joué qui te mesure. Là, c'est pareil, nous le voit nous et le voit. Comment ça, d'énergie, il est chez moi. C'est l'énergie. Ah ben, il mesure à deux, finalement. Un jack équipe. 76,5. C'est pas vénard. 76,5. Il est où ? Il y a 6 cm. Il y a assez d'énergie, tu vois. Merci. Il y a assez d'énergie quand même. 6 cm. Allez, le point. C'est passé pour 6 cm. Et Dromois. Bien, Bruno, belle frappe. Ça a été long à venir. Bel encouragé, hein. J'ai bien encouragé, moi. Quand je fais des carreaux, personne n'applaudit. Alors. Calimero. Ouais. Bravo. C'est bien joué par Médéric Verzo. Gagné deux fois. Qui oblige Bruno Le Boursicot à tirer encore. Ah oui, non, mais c'est sûr. Je peux le rattraper. C'est sûr. Bien. Bien tiré. Ouais. Quand je tire en règle, personne applaudit. Thank you.
Oh, ça c'est pas terrible alors. Et là, Florian Sardelli se dit bonne maison. Elle est à sa place, je l'ai pas lâché. Ils veulent pas que tu tires, je pense que c'est. Ah, essaie de le mettre encore. Ah, Flo ! Ah, on en fait deux, c'est encore bien. Oui, parce que là, c'est deux quasiment sans jouer. Hein. Hein ? Ils veulent pas le faire tirer. Il aurait toujours pas tiré. Je pense que si, il avait envie. Ah, Flo, mets-le ! Et il l'a mise 7 à 5 pour les Blancs. Et voilà Valence qui repasse devant avec ses deux points supplémentaires. Allez, si vous nous rejoignez, on vous rappelle l'enjeu. Hein. Valence, Chalon-sur-Saône, en 8e de finale du Trophée des Villes 2016 à Valence d'Agen. Valence qui a perdu ses deux doublettes et qui doit impérativement remporter cette triplette pour aller à la séance de tir. Qui sera décisive. Et Valence qui vient de prendre l'avantage, qui mène désormais 7-5. Tout le monde le dit. Ah Flo, monte sur le but encore. Le but est à 9 mètres 10. C'est la 7ème. Allez, on est à 9 mètres 10. Bravo, super. Bien joué, bien pour un. Bien joué, super. À 9 mètres 10, placer sa première boule là. Bien joué, Flo. Allez petit, allez mets droit encore. Bravo. C'est frappé. Bien tiré. Bien tiré, super. Bien tiré. C'est important parce que la main d'avant, il avait un tout petit peu bricolé pour éviter que le doute s'installe. C'était bien de bien tirer celle-ci. C'est bien frappé deux fois. Il faut se battre hein, pour marquer des points dans cette triplette. Hein. Ça joue. Ça là-haut. Ça joue vraiment bien. Il n'y a pas beaucoup de déchets. Allez, go. Ah, Bruno. Allez, go. Essaye de faire tirer encore. Et sérieux. Bien joué, bravo. Bien, Bruno. Allez. Allez, mêlée. Allez. Allez, Médéric Verzo. Pour maintenir la pression sur Valence. Oh, pas droit. Pas droit. Eh ben. Eh ben, allez. Allez, allez, allez mets-y en face. Allez. Allez, celle-là fait une belle frappe. Oh là 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 là. Allez, Chi. Allez. Allez. Oh,
De l'autre côté. Ça c'est pas terrible. Ah, je suis en train de faire un carnage là en domaine là. C'est pas possible. Je pense que j'ai pas voulu le dire parce que je voulais pas lui porter la poisse, mais est-ce qu'il a évacué la frustration de la boule qu'il a perdue la main en haut? Mais je pense que la réponse est non. On est 5 à 7, c'est lui qui vient d'en parler. Ouais, on est 5 à 7. Merde, Ouais, il se met beaucoup de pression. 5 à 7, deux boules à 3. Trop envie de bien faire, j'ai envie de dire. Ah, faut pointer, qu'est-ce que je vais faire ? Ouais. Je vais tirer après un peu. Tu veux faire quoi, Tony ? Ah, pointer, je vois pas ce que je vais faire en pointant. Je peux tirer la boule ou... Après, si je tire deux fois la boule, on en perd que deux. Ouais, si tu tires deux fois la boule, t'en perds que deux. C'est sûr. Mais imagine que si tu pointes bien les deux tiennes, t'as qu'à venir te coller. Ou si tu les joues bien, c'est pareil, il va falloir qu'ils jouent bien aussi. Je te jure, Tony. Parce qu'en tirant, c'est sûr, c'est bien, mais si on a le malheur de ne pas faire passer, tu vas encore charger. Si tu pointes bien les deux tiennes, tu perds encore un ou deux. Moi, je pointerai. Après, tu fais comme tu veux, mais si t'as le bonheur de bien pointer deux fois, tu peux en bouchonner, tu peux venir te coller. T'en penses, Aro ? Bah moi, je sais pas. Et vous, Jean-Luc, vous en pensez quoi ? On va pas les aider beaucoup. On va mettre 2 minutes pour retourner. Ah, mais je veux bien. On va encore pas être bien. C'est une bonne question. Moi, perso, je pointerai. Après, tu fais comme tu veux, moi, je pointerai. L'équation est pas simple. Non, mais après, c'est vrai que apparemment, il avait envie de tirer donc dans sa lancée. Moi, je l'aurais laissé tirer parce que jusqu'à présent, il a bien tiré. Tony, je voulais bien pour moi, celle-là, j'ai mal tiré. C'est vrai qu'en tirant bien deux fois, ben, de toute façon, voilà, maximum, il pouvait en perdre que deux. Là, Médéric dit qu'en pointant bien, ils peuvent en perdre que un ou deux. Moi, personnellement, j'y crois pas, à moins de faire encore un miracle. Colle-toi un coup. Ouais, mais enfin, et alors ça, c'est bravo. Ouais, mais là, c'est de la magie. Et encore, il n'a pas gagné, parce qu'il aurait pu gagner. Si tu n'as pas gagné, elle est bien, celle-là. Il a gagné en devant debout, là. Ouais. Voilà l'avertissement de Patrick Koufilial, carton jaune pour dépassement. Moi je la jouerai derrière, à passer le but. Parce que si tu restes devant, ils vont jouer le bouchon. Si t'en mets une derrière, c'est le top. Ça c'est bien analysé, je pense. Allez Tony, si t'as le bonheur de venir te mettre là, on va bien jouer. Attention de venir là, de pas le prendre le bouchon alors. Parce que ça c'est pas facile hein, ce qu'il lui demandait. Eh non. Face. Oh. Bien joué. Ça c'est bien. C'est ma faute, c'est pas si mal. Ça c'est bien joué, mais je suis pas sûr que. Je suis pas sûr que ça les arrange beaucoup. Pas plaisir. Parce qu'en tirant ça là, le but peut bouger. Le devant de boule peut bouger aussi. Ah, vieux. Et si le but. Après, ben, on va voir ce qui va se passer. Rien. Toujours est-il que quoi qu'il arrive, il a encore drôlement, hein, drôlement bien joué. Maintenant, on part de la jouer comme Tony Roulier. Bah oui, là, il fait se gratter la tête. Ah ouais, parce que là, entre celle qui est collée et celle-là, alors après c'est vrai que celle-là, si Pierrick avait bien tiré, ça pouvait tout pouvait bouger. Donc, mais bon, il a manqué. Si tu as 10 cm, tu viens passer la première, tu peux le mettre. C'est jamais, ça peut arriver. Tu arrives là, il dit, je te dis, hein, c'est jamais. Hein. Sérieux, Bruno, c'est pas. Hein. Là, il va falloir sortir le tournevis. Je suis bas. Parce que là où il va jouer, il va lui donner un effet. Je suis bas, c'est mal tiré. Maximum. Là, il est vieux. Ah, c'est bien. Dommage. Là, c'est pas trop dénoué. Il y avait un effet. C'est pas si vieux. Oh, bravo. Bien joué, hein, toujours. Je sais pas, tu l'as aimé. Oh. On a vu l'effet qu'il a mis. Je pense qu'Hervé Croza, notre réalisateur, va nous proposer de nouveau cette image. C'est vraiment, bien joué. C'est vrai que s'il défleure pas la blanche, le point il y était. Ah bah il vient se coller. Ah oui. Il a juste effleuré. Même si tu le mets pas, on a 7. Ça fait déjà 8. Un peu la force pour arriver. Je le mets pas, c'est pas grave, Pierrick. Là c'est en touchant quand même. Tony, vous les retirez. Allez, sérieux. Tu peux la toucher. Manque pas grand chose. Alors ce qu'il faut, c'est la blanche qui est au milieu, faut pas l'avancer. Hein. Non, c'est ça. Par contre, il peut dès qu'il touche un peu la noire. Oh, bravo. Oh, alors ça, c'est magnifique. Il y en a deux sur, peut-être même trois. Le troisième, il se mesure, non ? Alors ça, c'est... Je sais pas, le troisième, il se mesure, non ? On atteint des sommets, là, dans ce huitième de finale. Des coups improbables. Ouais.
improbable. Non, mais regarde, regarde. Très, très fort. Enlève-le, c'est pas un intro. Très, 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 très bien joué. S'il vous plaît, on peut en avoir un instant. Se mesure quand même. Hein ? Se mesure quand même. Allez, on va mesurer. Je mesure. Pour savoir s'il y en a deux ou trois en faveur de Valence. Qui ferait un petit break. Enfin, même si là, le break est fait avec deux de plus. Hein. Pour l'instant, il y a 9-5. Et est-ce qu'il y a 10-5 ? La réponse dans quelques secondes. Mesurez-le, mais à 1000 à nous. Normalement. Là, je fais 12-5 et 12-6. Après, à 1000, je peux me tromper. On va sortir le gros matériel. Ça, le juge de paix. Il a dit qu'il a 12 cm. Apparemment, il y a 1 cm chez nous. Un peu dérouillé. Et il risque de perdre 3 points quand même. À 1000 à nous. Bah, il est à nous. Deux, c'est bien, il faire la sortie. Ah, bah, pense qu'il touche pas la boule de devant. Parce qu'il y a 1000 à nous. Ouais. Passé. Pour me tromper, mais enfin. Ouais. Ouais. J'hésitais le pied, mais non. C'est quoi la boule ? J'aurais bien croisé. Ouais, c'est pas avec la main. Là, faut pas trembler, faut rien toucher. Hein, s'il y a un millimètre. Ouais, c'est compliqué. Le poids est noir. Merci, mon frère. Il y en a 3. Ouais. Ce qui me semble. Bah, c'est pas trop pire. Bon, on a 3. Je vais débarquer, moi, comme ça. Non, je pensais pas, tu vois. Voilà. À l'œil. 3. Bah, c'est bien payé, mais en même temps, qu'est-ce que c'était bien joué de la part des. Ah oui, oui. Les joueurs de Valence. Et bien du coup, c'est 3. C'est 3 points de plus, donc 5 points d'avance. Mais bon, après, j'ai rien pour court. Après, je l'ai rentré. Si je la rentre pas, je passe au moins. Ça aurait peut-être été mieux. Oui, mais oui. Oui, mais c'est sûr. 10-5, alors qu'on attaque la 8e main. Ah Flo, continue. 3 points là, alors que en jouant comme il a joué ses deux boules, Anthony Rouillet, vous avez qu'à imaginer s'ils n'avaient pas bien joué. Ouais. Bravo, ouais, elle n'aurait pas perdu beaucoup, beaucoup plus parce que c'était pas possible, mais quand même. Hein. Alors là, ils ont décidé de tourner. Ouais. Ouais. Et Eric Garzo qui devient tireur. Manque un petit peu de rythme peut-être au milieu. Et là il reste sur deux échecs, il y a le troisième de suite. C'est ça, c'est surtout que Cyril Gagne et lui tire bien. Oui. Et en plus il en a pointé une qui a fait un tout petit peu tourner la partie, point qu'il a perdu. Et là. Pas sûr que ce soit une excellente idée, mais. Pas possible, hein. Fais quelque chose quand même. Ça c'est bien. Bien tiré. Allez, le bouchon est parti. La main est annulée. On en reste à 10-5 en faveur de Valence. Ah, elle sort comme moi. C'est une comme il faut, Sortir, allez, ça va peut-être lui faire du bien là, ce tir à Médéric Verzo. Il n'y a plus de bouteille d'eau. 9e main, 5 points d'avance. Ah, j'ai pas vu moi. Oui, c'est vrai que quand on est mené, c'est assez qu'on peut toujours faire quelque chose. Mais. Marc, on n'a pas des bouteilles d'eau. Ouais, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Ah, Flo. On a des bouteilles d'eau. Ouais. Ah mon Flo, continue. Ah Flo. Alors, 8m60, la distance de jeu de cette 9e main. Et encore bien joué, Florian Sarnelli. Bien mon pote, bien, super. Ça joue hein, de part et d'autre. Ah, ouais. Ah vraiment c'est. Ouais.
Allez, hop, un carreau. C'est comme ça. Eh ben, bien tiré. Là, il restait sur trois tirs manqués. Il y a eu ce dernier tir là où un peu rageur qui lui a peut-être permis d'évacuer un petit peu la pression qui se mettait, qu'il était en train de se mettre. Oui, c'est voilà. C'est tourné quand on est mené 10 à 5. Je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas une horreur, hein, au contraire. Hein, mais bon, Cyril. Allez Flo, Cyril gagne, ça, je pouvais t'aider. Hein. Tirez bien quand même. Hein. Pouvais t'aider, non, oui. Tu fais tomber les graviers, c'est pas, tu fais pas exprès. Mais... Et après, je suis pas sûr qu'il pointe aussi bien que ce qu'il tire, mais bon, on verra après tout. On a vu tellement de belles choses depuis le début que on est peut-être pas bravo. Au bout de nos surprises. Et c'est bien repris par Florian Sarnelli. Dis pas, t'es tombé les graviers ? Là-bas. Tu vois que ça, genre. Mais tiens, moi, je tirerais quand même. Allez, bah, si vous voulez tirer, écoutez, moi je pense à écoute, Médéric, celui-là quand même. Pour non, mais vas-y. On a joué comme ça, ça nous a pas trop mal. Allez, allez, pas de problème, t'as raison. Continue. Allez, t'as raison. Je suis capable, allez, vieux. Oui. Allez, bouscule là. Allez. Parce que celui-là, au bout d'un moment, il va finir par se perdre. C'est pas très très loin, s'il tire, s'il continue à bien tirer. Ça va faire une belle main. Bien, ça a suffi. Il avait moyennement envie. Elle est passée. Elle est passée, c'est bien. Non, mais c'était que. Sur l'oreille. Qu'elle était un peu derrière, qu'on était en compte. Moi, si vous voulez tirer, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais un peu derrière en compte, je suis d'accord. Mais après, il faut quand même. Après, il faut leur gagner. Il faut leur gagner à tous les voyages. Bien joué. Bien. Allez, c'est ça, à l'assaut. Oui, bah oui. Allez Cyril, vis-y droit. Allez vieux. Bravo. Bravo. Ça a bien claqué. Bravo, bravo, bravo. Tu es reparti pour en attraper 6, vous croyez? Hey. C'est possible. C'est possible. On est à mi-chemin là. Bien. Super, Renaud. Un monde de gagner. Bien, bravo. Il y a eu des applaudissements là pour le coup que vient jouer Bruno Le Boursico, lui qui se plaint tout à l'heure. C'est sur le tir qui. C'est ça. Ouais. C'est quand il fait des carreaux. Bravo. Oh, bravo. C'est bien tiré encore. Dommage que je ne l'ai pas fait passer. Bien tiré. Bravo. Oui, comme dit Eric Verzo, dommage qu'il n'ait pas fait passer la noire qui reste là. La deuxième parce que c'est vrai. Mais c'est vrai que Cyril gagne, il a dit, il n'était pas très chaud hein, pour lui. Il n'avait pas trop envie. Non, on en service. Donc déjà, il a frappé. Tu peux me prendre 3 bouteilles d'eau, s'il te plaît. Bon homme, hein. Ouais, c'est bien joué la part de Pierrick Caillot. Bien, bravo, bien. Le tireur devenu pointeur. Allez, encore mieux. Alors, c'est reparti pour Anthony Rouillet. On se retrouve avec encore des boules importantes, comme souvent d'ailleurs. Un peu court. Oh ouais, un peu court. Ouais, mais non. Non, vu la réaction, il doit être... Personne n'a bougé. Bon noir. Il est où le point là ? Allez, bah essaye de rentrer. Tu peux le gagner encore. Je sais pas, c'est pas plus mal. Parce que déjà, quoi qu'il arrive, tu peux le gagner. Allez, tu peux le gagner encore. Allez, essaye de faire l'effort si tu peux. Et on change pas quelque chose, hein ?
quoi tu veux changer? Ah, je sais pas, on est toujours à 10 à 5, c'est au moment qu'on a 5, on n'a pas marqué. Bah, je sais pas, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Ah, rentre. Moi, merde. Je sais pas si elle est rentrée de celle de derrière ou pas. Non, j'en vois carrément. Hein. Non. Ah, c'est pas évident de le mettre non plus. Donc, à dire oui. Oui, si tu veux. Non, après, moi, c'est pas moi qui ai la boule, c'est lui. Moi, perso, j'ai la boule. Non. Moi, je te dis la vérité, si moi, si j'ai la boule, je joue. Hein? Si j'ai la boule, je joue le coup. Certes, c'est vrai qu'on a 11 par terre, tu le mets pas, ça fait 11. Mais si tu viens le traîner sur 20 cm, tu peux gagner. Parce qu'en pointant normal, tu n'es pas sûr de le mettre. Oui, hein, c'est sûr. Non, bon. Ça, c'est vrai. Moi, à moi, mon avis, c'est vrai le prix. Non, moi, je pointe normal, tu en fais 2, ça fait 12. Hein. On rejette la main d'après. C'est sûr. Après, le problème, regarde, après, je vais encore parler noir, mais voilà. Imagine-toi que tu touches un peu le bouchon, tu marques pas. T'as perdu. Sur la main. Bah oui, mais sur la main, on est 10 à 5, ça fait 11 à 5. Hein. C'est bien, alors. Joue-le, frère, vas-y, essaye. Vas-y, j'envoie alors. Hein? J'envoie alors. Joue-le, vas-y, la gagne, il faut la jouer, vas-y, essaye. C'est pas grave, tu réussis pas. Si tu avais à réussir, tu peux gagner. Tu as raison. Allez, tiens, jusqu'à là. Allez, vieux. Bruno Le Boursico voulait la sagesse. Il a bien, non, mais il a bien résumé, il a bien analysé. De toute façon, en jouant, pour le mettre en nature, il n'y a rien qui dit qu'il va le mettre parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est bien, tu as bien joué. De toute façon, en pointant normal, tu n'es pas sûr de le mettre. Hein. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça. Allez, Valence qui inscrit un point supplémentaire, qui continue de grimper vers les 13 points de la victoire dans cette triplette, ce qui nous propulserait vers une séance de tirs de précision. Pour le suspense et le spectacle, ce serait bien. 11-5 en faveur de Valence, qui est mené 2-0 après avoir perdu les deux doublettes. Ah, franchement, je pointe. Ouais, t'avais peut-être pas tort. Après, c'est resté pas longtemps, donc... Oula, ça semble loin, ça. Ce jet de bouchon. C'est surtout que c'est proche de la ligne de perte. C'est sûr que si je pointe, je peux peut-être le mettre, la tour. Ah, je pense que tu le mets. Ouais. T'as raison, si je le pince comme ça, je marque pas. Non, mais voilà, c'est pour ça. Et c'est dommage de ne pas marquer sur cette main, ouais, tu vois. Parce qu'ils nous ont rendu la marque. Ouais. Pas tort, peut-être. Après, c'est l'autre boule. Si l'autre boule, oui, elle est plus un devant. Peu plus loin. Non, mais si elle est plus devant comme ça. Là, oui, je te dis de jouer. Parce que tu là, peux là pas leur donner. Ouais. Ouais. Oui, c'est sûr, après. Ouais, après, je trouve, ouais. Voilà. Oui, t'as peut-être pas envie. Hein. Oui, non, mais après. J'ai joué vite, c'est bien, tout. Super. Bien, Flo. Ouais, après, tu pouvais prendre le carton, c'est pas grave. Hein. Ouais, je sais, j'aurais pu le prendre dans la situation. On a vanté les qualités d'Anthony Rouillet à la pointe, oui. Du côté de Sursaune. Alors Florian Sarnelli lui rend bien. C'est festival, ouais. C'est showtime pour Florian Sarnelli. Si tu le penses qu'il fait 2 mètres. Bien tiré. Mais ce sera toujours à eux de jouer. Allez, ouais. À l'épreuve de tir de précision. Pour la qualification pour les quarts de finale entre l'équipe de Chambre et de Amiens. On demande à la table de marque, s'il vous plaît, les coachs de l'équipe de Foix et l'équipe d'Amiens pour l'ordre du tirage pour le tir de précision. Bravo. Ah ben on vient d'entendre qu'entre Foix et Amiens, ce sera le tir de précision qui va départager. Et il y avait 2-0 pour Amiens. Donc Foix a gagné la triplette. Foix, c'est les champions de France de l'année dernière. Eric Caillot, pas droit. Sacha Solana et son équipe, et de l'autre côté c'était Amiens, c'est Kevin, ouais, Philipson. Ah, c'est pas grave celle-là. Et son équipe. Ah, piqué. Je réussis à dire Kevin Philipson et son orchestre. Bien. Ah, c'est bien. Mieux frapper la deuxième. Bien. Bien tiré parce que maintenant ce petit palais, il peut se perdre. C'est bien, c'est. Oui, c'est comme si peut-être ça se perd d'un coup. C'est pas comme
Tu avais tapé quand même. Non, c'est pas comme si j'avais tapé, c'est sûr. C'est vrai, tu as fait carreau les bancs. Là, c'est fait. Il s'est perdu. Ah, et là. Ça sent tir au bouchon. Hein. Grattage de tête. Trois boules, ils ont. Tire la boule. Non. Qu'est-ce qu'on pense ? Allez. Allez. Si on pousse, on verra. Si on pousse. Allez, je t'y. Allez. Ah, maintenant, il faut. Un peu la décision de tirer au bout là. Un poil court. C'est parti, que j'ai la première que je garde dans la main. Il va falloir bien tirer. À ce moment-là. Oh wow. Là, c'est bien tiré. Juste un poil court, mon petit. Ah, celui-là, il... ouais. Maintenant, c'est celui-là qui peut se perdre, ce palais. Pas arriver encore. Ça va de. Il nous reste 3 boules. Ouais, voilà. Un petit peu courte quand même. Une boule d'avance ? Ah non. Ouais, ils sont bons ceux-là. Ah mon Flo, ça a gagné tout de suite. Et bien tiré, Flo. Bénéric Verzon, parce que là, en manquant, c'était. C'était mal barré. J'étais à prendre le temps, on aurait pu discuter un peu plus. Aux alentours de 20h-20h15, hop là, elle est passée. Ouais. Ils ont eu peur, hein. Ah, parce que si elle reste derrière. Ouais, on la voyait bien, on la voyait bien arriver dans la blanche. Je touche pas, je vais gagner. Je touche pas, je vais dans le bus. Non, mais après, c'est pas plus loin, j'ai écarté un peu. Les unes après les autres. Oh pas droit. Putain. Ouais, c'est allez, c'est pas grave, tiens bien celle-là. Elle est sortie, sortie un petit peu de travers. Il qu'il joue plein, hein. Le mien il peut se perdre. Allez, c'est pas grave. Cyril. Allez Cyril, fais un effort à celle-là. Allez. Allez gros. Sous le regard de Pikachu. Tiens-y bien maintenant, c'est pareil. Allez, dans les Cyril. Tribunes. Un jeune spectateur qui nous a montré avec Rosa. Voilà. Ah ben, faut frapper, faut bien tirer celle-là, ça peut leur éviter de perdre. Une épreuve de tir, c'est la première, il y en a une. Oh bah tiens, ça c'est encore mieux que le perdre. Bien tirer comme ça par exemple, hein. Bien tiré. Donc un petit rappel, chaque tireur de chaque équipe a un tir aux 4 distances. En cas d'égalité, nous procéderons à un deuxième tour de tir avec la mort subite. Cette épreuve aura lieu sur le jeu numéro 1. Ah Bruno. Ah Bruno, tombe dessus. Alors là, mais Bruno, il faut qu'il tire, tire au carreau. Oh, qu'est-ce que c'était bien tiré. Oh, il avait fait carreau. Il avait fait carreau, ouais. Mais le bouchon est sorti. Hein, tiré, ça fait carreau. Ah, il fait carreau, le bouchon, il est dans la chambre. Okay. Et toujours pas d'applaudissements sur le carreau de, c'est vrai. De Bruno Le Boursico. Allez, men, annulé. On en reste à 11-5. Il a salissé un petit peu le bouchon. De l'obstacle. Voilà, merci. Et petit à petit, comme on disait Cyril Le Gagne, ça fait un moment qu'on a 5. Tu vois, tu le mettais là, on avait gagné. C'était une fine analyse. Je vais mettre un petit coup de tête, t'avais gagné aussi. 12-5, 11e mène. Ah mon Flo, monte dessus encore, allez. Valence, en cas de succès dans cette triplette, resterait en vie dans ce 8e de finale. Et on aurait droit à une séance qu'il de tir de précision. Comme ça. S'il a un peu plus décalé comme ça, ouais, c'est l'embellie. Ah, on marque déjà, c'est bien. On fait un petit plus encore. C'est bien. Mais c'est sûr que c'est bien parce que Bruno, s'il tire pas bien, non seulement il était sûr de plus marquer, mais après il pouvait en perdre même deux et ah bah oui, après même trois selon comment ça se passe. Ah oui, parce que pointé, tu n'es pas sûr de gagner deux fois le point.
Ouais, bah après, c'est sûr qu'il n'est pas bien. Déjà, Flo, il tire devant. Tire devant, autant tu pètes les deux après. Là, Flo. Alors. Ah, j'y vais. C'est logique. Florian Sarnelli qui a laissé un petit peu de place. À Chalon-sur-Saône. Mais vraiment un petit peu alors. Hein. Oui. Mais bravo. Ça suffit. Ouais. Bien joué pour Anthony Rouillé. Bravo, bravo. Quand même, il est pas loin, il doit y avoir 35-40 sur le côté. Même si là, sur ce plan-là, on a l'impression que c'est un peu plus large. Ouais, ouais. Et s'il tire, s'il frappe. Attends. S'il frappe. Toi, tu tapes les boules. Non, mais je sais pas, tu tapes les boules quand tu tires, je sais pas. Allez, Pierrick. Va doucement. Je sais pas, tu te mets là, tu fais de l'ombre en plus, là, tu es sur la boule. Là. Ah, ça c'est y est. Non, mais nous, on bouge pas quand tu tires, en fait, je sais pas, moi. Je vais bouger quand j'ai tiré. Non, mais c'est pas grave, ça arrive, hein. Moi aussi, des fois, j'ai un peu le. Ah, ouais. C'est pas grave, Médéric, c'est pas grave. Non, mais je sais pas où me mettre, j'ai l'impression de pas gêner. Médéric, il s'agace un peu près Médéric Verdot. Tout à l'heure, c'était les graviers. Maintenant, c'est l'ombre, le bruit des boules. Après, ceci dit, c'est vrai que si t'as peur, moi j'ai pas fait attention, mais. Moi non plus. Alors, ça c'est manqué. Ouais, c'est pareil, tu fais un coup sur deux, c'est bien. Il est pas mauvais encore le mec. Allez, viens. Et du coup, Florian Sarnelli en reprenant Médéric Verdot, il va peut-être couper dans son élan, Pierrick. Un petit peu, peut-être. Yo. Ah, tu as réussi à faire manquer double, c'est bien, bravo. Et moi j'ai fait ma main. Vous avez la tremblote quand vous êtes CK12, quand vous êtes 12 à 5 devant, vous n'avez pas la tremblote. Hein. Ah ça y est. Ça y est, on va faire des merdes comme ça. Ah il m'a cassé le bras aussi, qu'est-ce qui me casse le bras, putain. Monsieur, je peux compter la main, monsieur. Mais je veux faire, tu peux tirer après, si je gagne. Ah ça va gagner. Ça en pense. Allez. Alors Médéric Verdot, il bouge plus. Statue. Garde à vous. Statufié. Ah, mais c'est vrai que c'est dommage parce que jusque-là il y avait une bonne ambiance. Bon. Oui, oui. Pas remis à zéro le truc. Après. Non, puis ça semblait pas déranger Pierrick Caillot. Non, c'est ça. En fait, c'est que si Pierrick ça n'était pas aperçu, oui, c'était peut-être pas la peine de l'arrêter, mais. Et gagne-le le point. Bien joué. Je vais jouer à côté moi les boules. Bien joué. Il lui manque ce petit point de réussite. Ce que je dis des fois, c'est que si des fois il s'était mis un peu juste devant, ça changeait tout. Mais là, comme il est à côté, ben, il a joué tout aussi bien. Mais s'il prend un carreau, le bouchon ne bougera pas. Hein. Bravo. Ah ouais, c'est bien tiré. Voilà la différence des fois de la réussite là, c'est là, bon. Voilà. Parce que là il a failli embouchonner sur une main importante. Et s'il avait embouchonné, évidemment ça changeait tout. Ah Bruno. Alors Bruno Le Boursicot. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va essayer de, dans un premier temps, de gagner le point. Pour faire jouer. Et s'il doit se dire que s'il avait la bonne idée d'embouchonner à ce moment-là, ce serait drôlement bien. Encore que les rouges, ils en ont largement assez pour essayer de décaler, mais bon. Il doit y penser quand même. Il n'en est pas là. Pop, il est passé. Est-ce qu'il a repris? C'est pas dit. Un petit poil. Un petit poil long. Fait un tour de trop. Elle fait un tour de trop, vient de dire Florian Sarnelli, donc il va falloir y retourner. Je prends le bouchon là. Non, tu remets dedans ça. Un peu. Hein? C'est pas le tir là. Non, je pense pas tirer si. Tirer, ouais, c'est pas encore un truc. Problème en point temps, mais imagine, tu vas à point B, il vient bien la tirer dans 15 heures. C'est pareil. Là, si tu viens. Plus 3 tapés, ça dépend où il la pointe. S'il la pointe bien, il va pointer pour gagner, il va pas pointer pour. Il peut très bien mettre. Il peut la boule, non?
Vas-y, si tu veux. Ouais. Hein après, si tu veux, tant pis, la main, elle est un peu morte. Ouais, mais, là, ouais, mais tirer, voilà, enfin, que je tire avant. Là, tirer, c'est, vois, c'est chaud, ouais, quand même. Non, parce mais que c'est... j'aurais tiré avant, alors. Ouais, ouais, ouais. Non, mais le seul truc, c'est que si tu viens le gagner par là, qu'il a tiré bien, qu'il casse les mains. Et qu'il a un mauvais corps, alors là, ils sont complètement à poil. Sérieux? C'est la faire côté. Alors c'est vrai qu'après, effectivement, ah, Bruno. Il y a la possibilité de coller les deux, mais bon, c'est pas obligé que ça se passe comme ça quand même. Le premier tireur frappe le second rang, on arrête et c'est l'équipe qui a frappé qui a gagné. Bien joué. Alors elle n'a pas fait le tour de trop celle-là. Mais c'est un peu ce qu'elle a gagné. Si on rend bien, on peut enlever les deux. Parce que quand il parle en plus, attention à la prochaine. Ouais, ouais. Allez, Bruno Le Consico, averti pour dépassement de temps. Ça, il le négocie, Bruno Le Consico. Quel tempérament. Allez, il y en a qu'une, c'est parti. Dommage. 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 Ça aurait pu faire mieux. Alors. Allez, bah essayez de bien les jouer. Ah, je suis pas bien. 2 sur 3. Ouais, c'est si bien. Je mets droit, je peux sans toucher le but. Ah, tu peux me laisser une allez, belle Tony, main. Allez, Tony, allez. Hein? Tu mets droit, tu peux me laisser une belle main. Ouais. Ah oui. Ah oui. Surtout que là, t'as encore le but dans le cou quand même. Alors. Oh, elle n'a pas perdu ma boule, ça te fait un guide. Hein tu passes le but quoi. Bah, si tu joues dans la boule, tu vas pas tomber dans le bouchon. Non, si tu joues dans la boule, je vais mettre. C'est pas évident. Ouais, si tu veux, vu que t'as pu pointer, si tu veux, tu peux te lancer deux fois. Hein. C'est toi qui vois. Hein. Ouais, mais si tu fais un coup sur deux, on va en faire qu'un. Un coup sur deux au point, on va en faire deux. Allez, Cyril. Allez, Cyril, force-toi, allez. Là, d'aller mettre. Ah. Allez. Allez, force pas, Cyril, la nature. La calculette hein. Et la raison. Allez, vieux. Par contre, attention, parce que c'est vrai qu'il n'en a pointé qu'une pour l'instant. Elle n'arrivera pas. Ouais, mais... Va rester droite aussi, celle-là. Hein? Si elle reste droite, je rentre. Ouais. Si elle reste droite, je rentre. Hein. C'est toujours pareil, il faut maintenant, les rentrer. Trop bas. Non, mais c'est pas grave. Maintenant, il faut pas que tu joues dans le but. Je vais trop bas. Joue à ma joue boule. Joue pour rentrer. Joue à la boule. Joue là, carrément gauche. J'ai joué là les gars quand même. Oui voilà. Bah oui bah j'ai joué là. Ah oui voilà. La première je pense que tu es un poil trop bas. Ouais, je dois mettre le mien aussi, on sait qu'il va avoir du mal. Ah, c'est moi je peux faire beaucoup avec mon tir. Je coupe au moins je fais tirer. Je vais jouer à droite. C'est plus ma main à droite. Ah. À droite. Ah ouais, c'est vrai que là, pas profiter de celle qui est un tout petit peu devant d'Anthony Rouillet, quand même, c'est un petit, peu dommage. Mais par contre, ça, c'était bien joué quand même. Ouais, il y avait un bel effet, une belle courbe, mais elle n'est pas arrivée. Un point. Un point. Chalon-sur-Saône reste en vie dans cette triplette. Mais je dois m'écouter, je dois te faire tirer. Mais Valence reste à un point de la gagne dans cette triplette. Donc il y a un point de la séance de tir. Après, je peux essayer de le pas signer, Montaigne. Non ? Ah, tu fais l'esprit. On joue comme on joue là, c'est bien. Oui, je joue pas tout, on joue à 6. C'est à nous. Non, c'est à nous, ça. C'est à nous, ça. Après, Un point, c'est pas cher. Hein. Derrière, j'ai qu'à passer un tout petit peu le but. Vu la qualité du tir de Cyril Gagne, est-ce qu'il aurait pas fallu tirer allez, continue, les deux noirs. J'ai essayé de jouer en face la première. Je dois pointer si tu veux tirer. Mais après, c'est vrai que l'argument de Tony Rouillet, il est imparable. Je te fais tirer la première, mais en face du c'est un point. Un point, t'as bien un coup sur deux. Après, je dis pas, ça fait tirer deux pour un, mais bon. Tu sais, après, il y a le risque... T'as quand même le risque du bouchon derrière. Mais c'est vrai qu'est-ce que tu veux, il avait ce risque du bouchon en pointant. Mais vu surtout, il en avait pointé qu'une, qu'il n'avait pas trop réussi. Il avait bien tiré depuis le départ. Il aurait pu y aller. Mais
Tirez. Comme vous voulez, hein. Enfin, allez, bon, aussi, comme vous allez, faites de la place. On saura allez, jamais. Ça va pousser. Non. Allez, piquez. Ça va pousser, garçon. Allez, Anthony Rouillet qui oblige Pierrick Caillot à aller au pas de tir. Et c'est à côté. Juste pas droit. Ça va bien, non ? Ça me passe bon. Un petit peu déréglé. Je sais que c'est pas trop loin, mais bon, on a quand même 12. Ouais, non, mais t'as raison. Si jamais, même je le perds, on peut tirer quand même un peu. On peut-être du même tir pointé. Gagner, si je le gagne, ça fait jouer une boule au moins, non ? Allez. On va voir ce qu'ils font. Ah, si je le gagne. Bah non. Hein ? Je fais pas l'effort. Moi je l'écarte du jeu. Non, mais tu l'aimes là-bas, c'était bien. Hein ? Tu l'envoies là-bas, c'était bien, tu fais de la place. Oui, je sais. Hop là, côté fermé. Et ouais. Je pensais bien, qu'il allait jouer super. De l'autre côté, mais non. Ah ben, à mon avis, c'est ce qu'il cherchait. Quoi qu'il en soit, c'est bien joué, c'est repris. Hein ? Ah, c'est de l'autre côté. Oui. Et c'est bien tiré derrière. C'est le gagné. Je sais, je gère bien, c'est sûr que ça se passe. Hein. Ah, ils ont pris un petit palais, donc maintenant ils vont être quasiment condamnés à pointer jusqu'à la fin. Ouais. Espérant venir dans le but. Ça va aller jouer un petit peu plus haut. Mais il va lui manquer un peu de force. C'est arrêté, ouais. Alors, est-ce qu'il en a. Est-ce qu'il a coupé le palais ou pas ? Dans le jeu, mais je suis court. Hein. Je suis pas sûr. Hein ? Dans le jeu, mais je suis court. Tu fais un point en face de la tienne ou on tire deux fois ? Il a laissé les deux. Moi, j'aurais su. Hein ? J'aurais su, non ? J'aurais presque tiré, moi, mais bon. Hein ? Tu restes ? Parce que si on pointe encore, on va encore taper dessus 50 fois. Alors c'est sûr qu'en tirant, on va peut-être pas marquer, mais on en prendra peut-être moins que prévu. Non ? Comme vous voulez, prenez boule à boule, comme vous voulez. Comme vous voulez. Si tu le perds, on est toujours à temps de tirer, de taper deux boules, en perdre deux de moyens. Moi, ouais, je pense qu'on a 12 quand même. Ça fait tirer, je suis d'accord. Ce que attention. Tu fais, De toute façon, c'est moi qui vais aller jouer, autant. Parce que tu as un jaune. Attention au timer, parce que... Tu vas le gagner, il faut qu'il tape. Il a déjà un jaune, ça va selon finir. Qui c'est qui joue, faut pas se bourrer de joueurs, ouais. Si au pire, tu le perds, ben Bruno, il tirera, il cassera des points. Bruno Le Boursicot a pris un jaune. C'est pas lui qui va jouer. Plus. Non. Hein va gagner. Bah, de toute façon, il peut plus. Il va perdre sa boule. On voit carrément. Oui, si tu veux. Non, ouais, on voit. Oui, mais j'en gagne quoi. Ah, si tu veux jouer là, oui. Allez, tu viens le gagner. Ça fait tirer une boule. On est boule à boule encore dans la main. Hein. C'est la mienne dans le compte. Bien. Bien joué. Bien, bravo. Allez, bien joué. Ouais. Bien joué, mais une petite piscine. Fais attention à la prochaine. Hein. D'accord. Eh oui, ils sont deux à être avertis. Faut arrêter d'en prendre, mon petit bleu. Je croyais que t'avais droit à une fois. Moi. Bon résumé. Non, tu peux jouer toi encore. Je croyais que t'avais droit à une fois. Bah, moi aussi, mais dis non. Elle est bien tirée. Ah, Frédéric Verzo. C'est le bon moment hein, pour sortir ces deux petits palais. Là. Ouais. Là maintenant il va falloir essayer de forcer un petit peu dans ce noir devant. Prendre un peu plus de risque, mais il va falloir essayer de la faire rentrer un petit peu parce que sinon ça pourrait coûter cher. Bien joué, mais c'est pas assez fort. Ça sert à rien. Ouais, hein, ça part ça pas. Rien, ouais.
Ah, ah, couper. Il, fallait prendre le risque de jouer un tout petit peu plus fort. Plus fort, c'était mieux. Attirer les gens. Bah, il en a coupé un. Tu m'as gavé, je te le dis. Hein? Allez. Sérieux. Ça va le gagner. C'est bien. Ça m'a gavé, je l'ai perdu devant. Je préfère à la limite d'être long. C'est pas le jeu de tirer une boule ou un an qui va arriver avec un boule. Je ne sais jamais si Beck ou quoi, il peut venir gagner en face. Le problème, c'est qu'il a coupé son loup, c'est pas le jeu qui joue dans la boule là-bas maintenant. Ça va, tu rentres. Ça va bien joué aussi. Ouais, ouais. Ah, de toute façon, hein. T'as coup qu'on a une boule dehors. Hein. S'ils veulent faire un peu des points, les rouges. Hein. Bah, il va falloir faire. Ah, non, on aurait dû quand même tirer. Hein. Regarde, on prend des carreaux de partout. On va se retrouver pareil, on va se retrouver. Pas de partie à arriver. Regarde, les deux sont ensemble. Toi, vu comment tu tires, t'as qu'à y mettre d'aplomb comme ça dans les deux. Au milieu ? Oui, oui, allez, tire bien là. Celle-là. Non, celle-là, les deux. Tire bien celle-là. Ouais, mais je vais tirer celle-là. On a besoin de points. Allez, papy. Régale-toi. Allez, Cyril. Allez, pousse tranquille. Attends, il tire à trois quand même. S'il a le bonheur de péter les deux, ça peut. S'il est au milieu, je vois pas comment il peut épargner la blanche à gauche. Bravo. Ah ben voilà. Voilà, comme ça. Quel tir. C'est des tirs. Quel tir de Cyril Gagne. Elle devait être allez, un peu. Pop, ah ouais, parce qu'elles étaient un petit peu. Allez. De là, on voit pas, mais elles étaient un petit peu. Désaxées. Non, mais avancées. Elles étaient un petit peu en avant de la blanche. Ah, oui. Moi, je pensais qu'elles étaient à la même hauteur. Il a fait du boulot. C'est ça. Il a fait exactement ce qu'on lui demandait. Bravo. Exceptionnel. Là, on risque de se retrouver à 12 à 12. Eh ouais. Allez, gros. Allez, égale-toi, là, ça va tout seul, là, en haut. Allez, joue bien à l'écart, laisse venir. Allez, tranquille. Fais un effort. Allez. Oh, qu'est-ce allez, qu'il a bien tiré. Ouais. Allez, père. Il tire à la perfection. Ah, oui, ça. Oh, il est resté court. Il est resté court. Mais bon, on peut pas tout lui demander, hein. Cyril Gagne. Hein. Et plus 5, ça ne change pas grand chose, hein, 12 partout, 12-11. La dernière, il n'a pas vraiment le droit d'envoyer un train, donc. C'était pas la boule de la Gagne celle-là, hein, c'est la boule du 12 partout, donc finalement, ça. Le boulot avait été fait avant sur son tir, hein, puis par ses partenaires aussi. Et donc. Et ben voilà la fameuse 13e main. Dans laquelle ben, va se dénouer. C'est pas grave, Cyril. Cette triplette. T'as fait un tir perfection. Si tu le mets, c'est bonus, mais t'as fait le plus dur. Je dois le mettre. C'est pas si je le mets, je dois le mettre. Non, t'as pas mis, je veux faire. À mes grandes habitudes, quoi. Allez, Tony, encore. Je veux tellement la jouer. Au contraire de ma main, comme c'est pas du tout ma main. Et je la retiens. T'as fait le tir perfection qu'il fallait. Oui, je fais le tir perfection, mais si je le mets, c'est beau. Oui, c'est sûr, c'est beau. Ouais, c'est 12 partout. Hein. T'as pas mis. Arrive, Tony. Bravo. Bien joué. Elle est arrivée. Bravo. C'est bien joué. De la part d'Anthony Rouillet. On peut tirer si vous voulez. Le tirer, il est beau, hein. Non ? Allez, vieux, essaie de la pousser. Allez, Pierrick. Allez, on est loin encore, 9 mètres 30. Là. Pierrick Caillot, 12 à 11, qui l'eût cru ? Ah, bah oui. Quelle remontée des Chalonnais. Pas droit encore, Pierrick Caillot. Pas droit. C'est dégueulasse. Sauf que je prends la main ou tire. C'est dégueulasse. C'est grave, on chie comme ça. Hein. Quand même. Comme tu veux, si tu veux pointer la tienne. Tu peux pas nous faire un petit bouchon. Ça coûte rien d'en avoir, c'est une. C'est la sienne. Ouais, Flo. Il peut le gagner. Ah, Flo. Si des fois il en fait indéfendable, eh bien, ils peuvent toujours encore tirer à la boule. Et... Ah ouais, Flo, ça a gagné. Sinon, ben Bruno, il partira tirer au bouchon. Ouais, ça va, ouais. Bon, elle est partie.
l'impression que Florian Sardelli est en train de bouillir intérieurement. Tu as fait ton petit cinéma à 3 francs, là, tu es content? Manqué. Voilà, tu as fait ton cinéma à 3 francs, arrête. Tu me prends pour qui? On aurait été 12 à 12, tu n'aurais pas bougé. 5 à 12, t'es venu, tu as bougé. C'est bien, mais tu as raison. Non? Ouais. Allez. Ton but? Hein? Allez, de toute façon, le temps il passe là. Ça fait. On tire au bouchon. Allez, vas-y. Allez, ça y est, tapez au but. Allez, vieux, même tu chic, il peut venir dans la mienne. Allez, Pierrick, je suis pas bien pointé, ça y est. Oh, c'est un peu court, il était droit, mais un peu court. C'est un peu bonne direction. Il est tombé dessus. Ah bah allez, le champion, le double champion du monde. Du tir de précision. Fais-nous jouer encore, Bruno. Qui se rappelle. Ouais. Ah, Bruno, fais-nous jouer encore. Chaque fois qu'on fait pas ce qu'il veut, il fait la gueule, c'est chiant. Hein ? Chaque fois qu'on fait pas ce qu'il veut, il fait la gueule. Juste derrière. Elle était bien montée. Ouais. Oh là 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 là, c'est affreux parce que. Ah, s'il veut se faire applaudir, c'est le moment. Hein. Très juste avant. Ah là là. Alors là. Pas possible de perdre des parties comme ça. Voilà. Il n'y a pas de partie, il n'y a rien, on doit gagner 50 fois et on va réussir à perdre cette partie. Il faut le faire quand même. Faut le faire. Eh ben dis, bon, c'est pas fini, hein. Il reste une boule dans la main de Florian Sardelli. Mais il en reste suffisamment dans les mains de Chalon pour en terminer avec cette triplette. Certainement de trop même, mais là ils se sont un petit peu agacés pour. Peut-être pas grand chose, mais je pense pas que, même si effectivement on peut pas, on va pas mettre la parole de Florian Sardelli en août, s'il a parlé des boucles, c'est certainement que Médéric l'a fait, mais je pense pas que Médéric l'ait fait volontairement. Exactement. Voilà, donc bon. Nous avons encore le point. Est-ce que à 12 à 5 devant, c'était la peine de se mettre gaucher, dans un état pareil? Surtout qu'en fait, quand il a arrêté Pierrick Thériault, je ne suis pas sûr non plus que Pierrick, lui, s'en était aperçu. Mais non, c'est ça, oui. Effectivement, Pierrick avait rien vu, Pierrick Caillot rien entendu, il allait tirer. Après, c'est vrai que Florian Sardelli, lui, voilà, lui, dans son esprit, lui, c'est un joueur qui est correct, dans son esprit, il a du mal à interpréter ce qui s'est passé. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, alors, s'il a pensé que c'était volontaire, il y a de quoi s'énerver un petit peu, mais. Allez, je t'y. Je pense pas que ce soit volontaire. Là, du coup, on assiste à une fin de partie un peu tendue quand même. Un peu tendue, ouais, parce que du coup, comme il s'est fait remonter les bretelles, Médéric Verzo, voilà, vient de manquer son premier tir. Et le deuxième, il passe. C'est un carreau. Et la victoire et la qualification de Chalon-sur-Saône, la poignée de main malgré tout entre Florian Sardelli et Médéric Verzo. Et Chalon-sur-Saône qui vient de faire une remontée improbable et qui se qualifie pour les quarts de finale de ce trophée des villes 2016. Et voilà donc cette étonnante équipe de Chalon-sur-Saône, pleine de talent, qui était menée 12-5 et qui a fait une incroyable remontée, comme le disait Médéric Verzo. On n'est pas très connu, mais on est dangereux. C'est vrai que là, ils ont fait du. Oui, une. Alors après, c'est vrai que malheureusement pour lui, Pierrick Caillot, sur la fin, il s'est un petit peu déréglé. Donc ça a facilité, ça a ouvert les mains à l'équipe de Chalon. Mais quand même, c'est une remontée qu'il fallait faire. Moi, personnellement, j'y croyais pas trop. Et puis, j'étais content de. Je me disais, on va voir le tir et tout ça.
Eh ben non, ce sera pour la prochaine fois. Bon, alors après Dylan Rocher, après Philippe Quintet, après Philippe Suchot, après Henri Lacroix, c'est Bruno Le Boursicot qui vient de se faire éliminer avec son équipe de Valence. Donc c'est bien, on va découvrir de nouveaux visages, de nouveaux talents pour la suite de ce Trophée des Villes 2016. Merci d'avoir été là, merci Jean-Luc, on se retrouve très vite pour des quarts de finale maintenant. Avec plaisir, Xavier. Quel bonheur.